Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo Live Making Zelda Oni Link Begins. On va continuer sur notre lancée. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, le projet reprend. Le projet de refaire Zelda Oni Link Begins avec Solarus. Salut NPKNT, bienvenue. Salut Zacharis, Skunkoff, il y a déjà du monde. Le stream commence tout juste, c'est bien, c'est encourageant. Donc. Zelda OLB dans Solarus. La dernière fois, on avait fait presque toutes les maps des cavernes, mais il en restait encore deux. Donc on va peut-être commencer par ça. Et je suis pas logué là-dedans. Ok. Les deux qui restaient, c'était deux maps un tout petit peu plus grandes que les autres. Alors on peut commencer par Oasis Cave, qui est la numéro 40. Voilà, donc c'est ça. Alors, moi, ma technique, c'est que j'ouvre ça avec GIMP. Et j'enregistre ce fichier. Donc là, ça fait 960 par 240. On va mettre un petit peu de transparence. Alors, si je veux respecter les mêmes conventions, je vais l'appeler 960 par 240. Point PNG. Et je vais l'ajouter là en tant que sprite. D'habitude, normalement il devrait détecter tout seul. Voilà, qu'il y a un PNG qui a le même nom, donc il me le propose. Nouvelle direction, qu'à faire comme ça. Donc là, je crée un sprite qui servira juste pour le modèle. Juste pour construire la map. Donc ça, c'est Oasis Cave, on a dit. Donc nouvelle map, Oasis Cave. D'ailleurs, il faudrait que je relance le jeu sur l'autre PC. Donc Oasis Cave, musique cave, je suppose, tile set dark brown, taille 960 par 240. Voici mon modèle. Je vais le mettre sur la couche moins 1, le modèle. Ensuite, on va créer les salles. Donc, on peut commencer par les torches, par exemple. En fait, c'est la caverne qui va, je vais vous montrer, dans la map du désert et de l'oasis.
C'est la caverne qui relie cet escalier-là et cet escalier-là. Ensuite, il faudrait que j'en prenne une. Une autre qui a aussi des escaliers. Attendez, pourquoi elle a... Ah oui, parce qu'il y a plusieurs étages. Ah oui, alors attendez, parce que dans Solarus, normalement, habituellement, on fait deux maps différentes quand il y a deux étages, comme celle-ci. Donc, ouais, on va faire ça. On va plutôt faire un dossier. Oasis Cave. Celle-ci, ça va être le rez-de-chaussée. Et puis, on va faire le premier étage. Donc ça c'est Oasis Cave First Floor, Second Floor. Et donc finalement, le First Floor il va faire que 640. Tant pis si le modèle il est trop long, on s'en fiche. Et puis on pourrait copier-coller des escaliers de ces deux maps-là, par exemple. Un F. Ah voilà. Ok. Ensuite, on va faire le sol. Oui, alors attendez, est-ce que j'ai encore la sauvegarde là? Ah, j'ai pas le bon fichier de sauvegarde pour pouvoir tester le jeu sur l'autre PC. Alors attendez, il faut juste que je copie ma sauvegarde d'un ordi à l'autre. J'en ai pas pour très longtemps. OLB. Et donc je récupère sur l'autre ordi.
J'y suis presque, vous inquiétez pas, c'est un petit peu long. Saves. Voilà. En attendant que ça prépare ce truc, on va donc continuer notre petite caverne. Générer des contours. Hop, hop. Ensuite, il faudra une porte. Alors, normalement, on a des modèles de portes dans le dans la map Cave Store. Voilà, comme ça. Ensuite, il reste à faire les plafonds. Donc ça, c'est sur la couche 1, normalement. D'ailleurs, la couche moins 1, on peut l'enlever. Ouais, couche 1. Peut-être qu'il y a des vieilles maps où c'était sur la couche 2. À une époque, c'était sur la couche 2. C'est pas très important. Alors ça c'est le modèle, ça correspond. Ensuite il faut quand même compléter ici pour les histoires de transparence. Bah là il est sur la couche 2 celui-là. Merde, attendez. Ah ok, j'avais tout mis sur la couche 2 finalement. Non, couche 1. Et ici, couche 0 pour ceux qui doivent être derrière. C'est ça le truc. Ah oui, mais quand il y a une porte, on fait quoi là? On peut faire comme ça quand même. Ok, je vais pouvoir tester le jeu. Le jeu d'origine, juste pour vérifier que la musique est bien la bonne, par exemple.
Donc je pense que cette map elle est à peu près finie, sauf les téléporteurs. Les destinations, on peut déjà nommer les destinations quand même. From second floor, ça c'est bon. Le truc c'est que là aussi on sait from second floor. Et donc l'étage du dessus. Oula, attendez, pas un problème là. Ah non, c'est bon. Donc l'étage du dessus, c'est juste ça. On a encore un escalier qui monte. Et cette fois, on a aussi un escalier qui descend. Ensuite, on a un sol. Ah, j'ai oublié de mettre le tasset. Dark brown. On a une musique. Générateur de contour. Wall border 3. Et wall 3. Ensuite, on peaufine les petits détails. Ensuite, il faut s'occuper des téléporteurs. Enfin, des destinations déjà. Donc là, celle-ci, elle s'appelle From 1F, ça me va. Alors, par convention, moi, je mets la destination, ensuite le téléporteur, ensuite l'escalier. From outside. East. C'est ça. J'ai pas oublié une porte dans ma grotte. Non, c'était que avec des escaliers. Et ça, c'est from outside, en fait. West. Et donc ça, c'est from second floor. Ok, et donc ensuite, sur la map extérieure, out, c'est 1. Quoi, ces trucs déjà? Ah oui, c'est les cactus. Out, c'est 1. Euh,
on va s'inspirer des autres maps parce que on est paresseux. Donc on a une destination qu'on peut appeler From Oasis Cave West. On a un téléporteur qui mène vers Oasis Cave First Floor. Destination From Outside West. Et on a un escalier. Et de l'autre côté, on peut appeler celle-ci From Oasis Cave East. Un téléporteur qui mène vers Oasis Cave Second Floor from Outside East et un escalier. Et enfin, on peut maintenant s'occuper des téléporteurs d'ici. Destination Out C1. From Oasis Cave West. Destination Oasis Cave Second Floor from First Floor. Celui-ci y mène vers Oasis Cave First Floor from Second Floor. Non, pas du tout. Il mène vers l'extérieur, celui-là. Out C1 East. Ouais. Et ça redescend donc vers le first floor. C'est bon, on n'a plus qu'à tester tout ça avec le nouveau bouton magique qui nous mène directement sur la map. Donc si je dois sortir. Ah, cannot find quest file cactus.date. Peut-être que ça avait jamais été fait encore. En fait c'est alt.tp/cactus. C'est une custom. Ouais, il faudrait que je les corrige tous. Il y a un petit bug d'affichage. Mais normalement, quand on descend les escaliers, ici, le haut de Link, il doit s'afficher en dessous de... des montants de l'escalier. Ça se voit surtout sur celui-là. Là, le bas de Link, il devrait s'afficher en dessous de ça. Là, il devrait se désafficher plus exactement. Mais je crois que c'est quelque chose qui a été cassé dans le moteur. Bon, en tout cas, au niveau de la map, on est bon. Au niveau des maps. Premier commit de la soirée. Git add map caves oasis cave to. Bon, le sprite provisoire qui sert de modèle, je suis pas obligé de le committer. Je supprimerai de toute façon. Ah oui, et donc les histoires de cactus. On peut utiliser Vim map out c1.date
Comment on fait? Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est pour 100. S. Faut remplacer enemies slash cactus par enemies slash alttp slash cactus. Je crois que j'ai réussi. Voilà, on voit bien nos cactus maintenant. Cactus. Oui, Skunkov, je suis le développeur historique de Solarus. Mais aujourd'hui, je suis plus tout seul. Merci, c'est gentil. En gros, au début, je faisais mon Zelda avec RPG Maker, et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai recommencé en C++. Ça a donné le moteur Solarus. Et l'éditeur, là, c'est moi qui ai fait la plupart de cet éditeur. Mais avec quand même pas mal d'aide, notamment de Maxess pour l'éditeur de sprite qui est très bien fait. Et puis pas mal d'autres trucs. Donc ouais, on est toute une communauté maintenant. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le dernier stream, à un moment, on est tombé sur un ou deux bugs du moteur. Et donc, j'en ai profité pour corriger le moteur directement. Salut, Alien7414. Ouais, c'est le moteur Solarus, comme je disais, que j'ai développé depuis, que j'ai commencé à développer en 2006. Donc, ça commence à dater. Et maintenant, on a un bel éditeur. Et là, j'utilise la version de développement en fait. Il y a quelques nouveautés, donc forcément qui ne sont pas encore sorties puisque c'est en développement. Mais quand on est en train de jouer, de modifier une map du jeu, on a ce nouveau bouton Run Current Map qui permet de tester directement la map qui était ouverte actuellement. Et il y aura plein de nouveautés dans Solarus 1.7. Les fonctionnalités multijoueurs notamment. Mais c'est pas le sujet du jour. Ok. Alors, il nous reste une map de caverne. C'est la grande map Desert Cave 41. C'est celle-ci. Alors, elle est en deux parties, il y a deux étages aussi. Donc elle est située sur la même map extérieure en fait que celle que je viens de faire. Ah oui. Donc il y a une entrée là. En fait, il y a un trou, il y a un passage secret sous cette pierre. D'ailleurs, je vais peut-être le faire le trou. Alors le problème c'est que ce tile-là, il a des contours verts tout moches. Donc est-ce que j'aurais un trou qui serait mieux adapté? Alors, probablement pas dans ce tileset, mais si je prends le tileset Outside Main, qui lui est plus récent et a beaucoup plus de choses, on devrait pouvoir trouver un trou plus joli. Pour tester la version de développement, oui, tu peux la télécharger. Il y a des moyens de la télécharger par GitLab avec l'intégration continue.
Tu peux demander sur notre Discord, il y aura des gens qui vont te donner les liens. Ouais, les jeux ils sont scriptés en langage Lua. Donc, si tu veux voir un script Lua, ça ressemble à ça. Et j'ai fait plein de tutoriels. Si tu veux t'y mettre, n'hésite pas. Des tutoriels sur ma playlist YouTube. Ok, alors. Donc ce tileset il est génial parce qu'il y a tout, mais comme il y a tout, c'est toujours difficile de trouver les trucs. Ouais, ça c'est les liens du code source. Après, pour télécharger la version, le dernier build de la branche dev, je sais même pas exactement. Enfin, faudrait que j'aille voir. Mais oui, ça peut se trouver sans problème. Alors celui-là peut-être. Celui-là est pas mal. Bon, on fera un script. En fait, là, il y a une sorte d'énigme qui fait qu'on doit soulever toutes ces pierres dans le bon ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, en finissant par la noire. Et si on fait bien comme ça, il y a un trou qui apparaît. Et quand on tombe dans le trou, on va arriver dans la nouvelle grotte qu'il faut que je fasse maintenant. On arrive genre là, dans cette salle. Et puis on peut la traverser, monter là, arriver ici, et ressortir par là et prendre un, si je me souviens bien, un fragment de cœur au passage, à moins que ce soit un coffre. Alors les piquants, d'ailleurs, ils sont très différents dans le moteur Solarus par rapport à ce jeu. Donc, je ne sais pas si on va utiliser ceux de Solarus ou si on va scripter des nouveaux piquants. Est-ce qu'il y en avait dans ROTH? Bah ouais, il y en avait. Ah, c'est vrai que là c'était les couleurs claires. Bon, c'était juste des piquants. Ah, attendez, c'est quoi? Motif Spike. Oui, c'est juste un tile. Non, c'est juste les piquants standards de Solarus qui sont pas terribles. Mais ouais, ok. Donc on fera ce script plus tard. Pour l'instant, on va faire la map. Comme je disais, c'est ça. Alors, elle fait combien celle-ci? On va l'ouvrir. On va ouvrir le PNG dans GIMP. Donc elle fait 1600 par 480, mais elle est divisée en deux étages. Donc 1600 moins 320. Ça fait 1480. Pas du tout. 1280. Toute façon, j'ai qu'à copier ça. Mille deux cent quatre-vingts par 480. Donc j'ai qu'à partir de celui-là en fait. Pas m'embêter. Ok. Donc on va créer notre map, enfin nos maps, puisqu'il y en a deux, il y a deux étages. Elle s'appelle comment? Desert Cave.
Donc nouveau dossier, Desert Cave. Et pareil que pour Oasis Cave, on va faire premier étage. Alors techniquement, c'est le sous-sol en fait. On pourrait dire que c'est B1 et 1F plus exactement, puisqu'on tombe là. Allez hop, B1. Et l'autre, 1F. First floor. Alors, je vais aller voir dans le jeu d'origine. Ah, c'était un coffre en fait. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y avait dans ce coffre? Salut Phoenix. Donc là, c'est la map 1F, first floor, qui fait 320 par 480. Par 480. Et la musique, au fait, j'ai pas écouté. C'est encore la musique des cavernes. Pas mal. Donc, cave, dark brown. Alors, pour le modèle, il va falloir que je prépare un petit sprite qui a la bonne taille. C'est juste pour le modèle, encore une fois, puisque je reproduis les maps d'un jeu existant. Et l'autre, on avait dit 1280 par 480. Hop, hop. Donc je vais mettre le modèle. Work. Celui-là. Ah, je pense que l'origine, elle aurait dû être 8-13. Voilà, ça c'est le modèle. Bonsoir, Silence des Agneaux. Je reproduis avec le moteur Solarus un autre jeu, un jeu existant, Zelda Unhealing Begins. Et donc, il y a plein de maps d'extérieur, de donjons et d'intérieur. Alors, tous les donjons, tout l'extérieur est fait depuis longtemps, les donjons aussi.
En tout cas, au niveau des maps, pas encore tous les scripts. Là, je finis les cavernes, et après, faudra finir les maisons aussi. Donc là, j'ai mis le modèle. C'est une image créée automatiquement à partir des données du jeu d'origine. Et donc, je vais refaire les taillis correspondants dans Solarus. Alors, il y a trop de choses ouvertes. On va commencer par les torches. Alors ces trucs-là, on peut s'accrocher dessus avec le grappin. Et normalement, il doit déjà exister des cavernes où il y en a, genre Forest Cave. C'est une entité custom dans Solarus. Ah, et ce qui est intéressant, c'est que là, il y en avait eu 4 différentes. Mais à mon avis, on doit pouvoir le faire avec une seule, parce que maintenant, je crois depuis 1.6, il y a une option répéter le motif du sprite. Donc on peut répéter comme ça. Pour les entités custom, alors qu'avant il n'y avait que les tiles qui avaient cette fonctionnalité. Voilà, j'espère que normalement je pense que le script il devrait marcher de la même façon. Le script hookable. Ah oui, c'est assez simple. Bref, voilà, je vais copier ça, je vais le coller là. Donc j'en ai un ici et un là. Ensuite, on a un escalier qui descend. Donc je vais copier-coller celui-là. Et on a des trous. Alors pour les trous, bah c'est juste un tile de tout noir. Et puis. Alors, le générateur de contour, est-ce qu'il va générer les trous à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur, ok, donc c'est facile. Merde. Hop, copier-coller. Tac-tac, générer les contours. Bim! Après, on peut faire un peu plus beau la transition ici entre le mur et le trou. Mais je sais plus si on avait choisi de faire ça dans les donjons. Par exemple, si un donjon où il y a plein de trous, par exemple, il y a le donjon de la glace. Je sais plus c'est le combien. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, là on a fait des belles transitions entre les murs et les trous. Mais bon, là, c'est un pauvre trou, un peu comme celui-là, quoi. Il n'y a pas beaucoup de contact entre le trou et le mur, de toute façon. Le coffre contenait un flacon. Ah, ok. Ah, d'ailleurs, ouais, je me demande bien où ils sont les 4 flacons. Donc un flacon vide. Silence des agneaux, le moteur Solarus est développé en C++. Cette interface-là que j'utilise pour mapper le jeu est aussi faite en C++ avec Qt. Et les jeux que tu crées en utilisant ça sont scriptés en Lua. Par exemple, ça c'est du Lua. D'ailleurs, pas besoin dans cette map. Il n'y a pas besoin de script dans cette map, ni dans celle-là. Ah d'accord, j'avais fait trois items différents, bottle 1, bottle 2, bottle 3. Donc là, je sais pas c'est laquelle.
Donc pour l'instant, le coffre il va rester vide et on s'en occupera plus tard. Ok. Ouais, ça serait bien de qu'on se rappelle où sont les trois flacons en fait, enfin les trois bouteilles. Parce que là, si je choisis que celle-ci c'est la bouteille 3 ou la bouteille 2. Ah bah si, je sais où elles sont. Il y en a une dans le village Ruto. Il y en a une dans le village de Roru. Donc celle-ci, on peut dire que c'est la troisième. Desert Cave Bottle Chest. Bouteille vide alors, hein. Couche moins 1, non, certainement pas couche moins 1. Il y a des choses qui se sont mises sur la couche moins 1. Il n'y a que le modèle normalement sur la couche moins 1. D'ailleurs, maintenant j'en ai plus trop besoin. Ah si, j'en ai besoin. Je vois plus les murs. N'allons pas trop vite. Alors, donc ça c'est couche 0. On va créer donc notre sol. Sur la couche 0. Et puis on va générer les contours du sol. Le temps qu'on gagne quand même grâce au générateur de contours, hein, c'est super classe. Ensuite les portes. Cave Store. On a besoin d'une porte comme ça. Et on a besoin... Alors, on peut choisir d'utiliser la plus belle porte. Tant qu'à faire. La porte vers l'extérieur. Bouteille vide confirmée. Ok, merci. Et après, il reste plus que les plafonds. Et ensuite, les petites retouches, ces machins-là. Voilà. On a besoin d'une destination. D'un téléporteur. La map extérieure, je l'ai déjà fermée. Je suis pas bien fort en dev, j'ai réussi à faire un jeu Snake très basique en produisant un tuto. Ah bah c'est déjà bien, je vais le modifier un peu mais j'ai du mal. Bah ouais, bah on a tous commencé par là, t'en fais pas. Moi mon premier jeu quand j'étais petit c'était un Pac-Man en cul basique, enfin, peu importe le langage mais je comprenais rien de ce que je faisais. Il y avait même pas de fonction, il y avait des variables je crois, mais il n'y avait pas de fonction. Parce que je savais pas ce que c'était qu'une fonction, il y avait... Je pense que j'avais mis des go-to partout. Mais ça marchait.
Alors, C1. Donc, c'est cette caverne-là. Il y a une sortie ici. Direction vers le sud. From Desert Cave. Il y a un téléporteur là qui mène à Desert Cave First Floor, destination From Outside. Et là, je me suis trompé, celle-ci s'appelle From B1. Ok, et donc là, destination Out C1 From Desert Cave. Et maintenant le B1, c'est parti. Le modèle. Mille deux cent quatre-vingts par 960. Donc cette map est déjà beaucoup plus grosse, mais le principe est le même. Il aime bien les torches, hein. Hop, copier, coller. Ah, c'est pas le même écartement. Tac, tac, et tac. Pour l'instant, il y a un youtubeur fou qui essaye de refaire toute la map de Breath of the Wild solo, mais en créatif sur Minecraft. Trop bien. Bah, moi j'avais commencé à faire celle de Link's Awakening. Bon, qui est évidemment beaucoup plus petite, hein. Mais j'avais pas fini. Mais c'était pas en créatif d'ailleurs. Alors. On a besoin de faire des portes, donc je vais reprendre le Cave Store. B1, une porte ici, et ensuite deux portes dans l'autre sens. Ensuite, de l'eau. Elle est où l'eau déjà? Là il y a de la glace, il y a de la lave. Ah oui, elle est là. Donc je reproduis les mêmes trucs. Voilà, ensuite je génère les contours. Donc là on gagne du temps grâce à cet algo de génération de contours. Générer les tiles autour de la sélection. Ok. Les piquants maintenant. Alors les piquants, ils sont animés dans ce tileset, ce qui est beaucoup plus sympa.
Voilà. Ah, tu fais avec Java? Ok. Java RPG Maker. A Link to the Past. Il y a des gens qui ont fait pas mal de maps de Link to the Past dans Solarus. Python, oui, Python est super à la mode pour faire des jeux, des petits jeux. Avec Epic Games, c'est vraiment pas mal, il paraît. Mais en parlant de Java, à une époque, cet éditeur de map que vous voyez là, il n'était pas aussi beau que ça. Et il était fait en Java, parce que c'était le langage que je connaissais avant d'apprendre le C++. Donc l'éditeur était en Java Swing. Jusque Solarus 1.5, je crois. Eh ouais, Barinade s'en souvient. Ouais, avec Swing, exactement. Ah, dans Minecraft, Phoenix. Oui, je me demandais, ouais. Salut, Quijibou. Ça doit être cool aussi. A Link to the Past dans Minecraft. Là, ça n'a pas marché les murs parce que je les ai fait autour de ma sélection, mais ma sélection, elle contient pas tout ça là-bas. On va recommencer. Donc, faut que j'ajoute un peu tout là. Bah, je peux faire ça, ça sera plus simple. Donc, wall border 3. Ah. Non. Il faut aussi que je supprime les bordures, voilà. Wall border 3 et ensuite wall 3. Mais maintenant j'ai des bordures en trop. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai des écarts de 8 pixels? Ça devrait jamais arriver. Donc j'ai dû faire une connerie. CTRL-Z, CTRL-Z. Ah oui. Ok, je vais quand même mettre un sol comme ça partout. Parce qu'il faut qu'il touche les murs là. Faut quand même pas que je sélectionne les portes là. Faut que je prenne les sols. Comme ça. Nouvelle tentative. Wall border 3. Wall 3. Et là c'est bon. Alors on peut même remettre en arrière-plan tout cela, mais on peut même les supprimer. Quoique. J'ai besoin quand même de la transparence là derrière. Ok, donc on va les garder les sols, mais en arrière-plan. Et les bordures qui sont là, elles existent dans le modèle? Ouais. Donc on peut laisser comme ça.
Ok, ça roule. J'ai pas oublié des trucs là, il y a un escalier là normalement, j'ai oublié de faire l'escalier. Copier. Alors si on vérifie, on a un escalier, les autres salles sont complètement vides. Ah mais j'ai oublié de faire des séparateurs. Ici, il y a un séparateur normalement, dans la map d'avant. Comme là, ouais. Donc là aussi, il faut mettre des séparateurs un peu partout. Bon, là, ils sont sur la couche moins 1, mais ah oui, c'est quand même pas terrible en couche moins 1. Couche 0, on va dire, ou couche 2. Parce que la couche moins 1, elle servait que pour le modèle provisoire, donc elle reste pas. Ok. Ah mais là c'est pas. Non, j'ai rien dit. Tout va bien. Là il n'y a pas besoin, il n'y a plus aucun séparateur là. C'est une grande salle. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Alors la destination, elle s'appelle From First Floor. On peut tout de suite connecter. C'est pas la bonne caverne. Desert Cave. First floor. Voilà. Connecter ce téléporteur à la destination qu'on vient de créer. From first floor. Et puis le téléporteur, lui, il doit aller vers Desert Cave. First floor. From B1. Après, on aura besoin aussi d'une destination ici. Alors, je suppose que Link est centré quand il arrive. Je suis pas tellement certain. Et donc, ici, il y aura un téléporteur qui va aller vers Desert Cave B1 from outside. Skunkov, t'es dev Java toi aussi, tu fais plus de C et de JavaScript. Spring, ouais, j'ai déjà entendu parler Spring. Le script pour faire le drop du plafond? Non. Tu l'as fait dans Link to the Dream, c'est ça? Ouais, ce serait sympa, ouais. Et cool, si tu veux l'ajouter. Franchement, fais-toi plaisir, tu peux faire une pull request. Pour le moment, je vais le coder avec juste une téléportation simple. Les plafonds ensuite. On voit rien avec les séparateurs.
Ah bah oui, je sais pas si ça marchera direct, il faudra sûrement tester. En plus, il me semble que t'avais mis une animation, peut-être de Link qui tombe en tournant ou je sais pas quoi. Donc ouais, si tu veux ajouter l'animation avec, ça va être un peu de boulot parce que il y a une tunique supplémentaire dans ce jeu. Façon, les scripts sont rarement réutilisables sans effort d'un jeu à l'autre. Il est un peu compliqué ce tileset quand même. Ok, s'il n'y a pas d'animation spécifique, ça devrait être assez facile alors. Après, c'est toi qui vois, c'est pas une obligation pour ce jeu. Ok, je pense que cette map est finie.
Donc on va pouvoir tester. Du code documenté. Et oui, ça existe, c'est rare. Ah, déjà ça commence mal. Ah, mais il est mal placé ce séparateur. N'importe quoi, moi. Ouais, je me suis raté sur les portes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, toujours tester les transitions. Ah, j'ai pas le grappin. Console de debug. Hookshot. Ça marche. Et donc dans ce jeu-là, particularité, c'est que on peut pas s'accrocher au coffre. C'est une différence avec A Link to the Past. Par contre, on peut s'accrocher à tout ce qui est en bois. Ah, je peux pas sortir. J'ai dû oublier un téléporteur. Ou alors, c'est plus une question d'obstacle. Ah, j'ai oublié de laisser un passage là. Faut que je mette un petit bout de sol en plus. Genre là. Couche 0, arrière-plan, mais quand même derrière le devant ce mur. Voilà. Donc on peut passer. Ah mince, le coffre. Pourquoi il est toujours... Ah oui, j'avais sauvegardé. Donc c'est bon. Donc j'arrive toujours pas à sortir. Et en fait, c'est parce que le téléporteur était pas sur la bonne couche. Par contre, la destination, oui. Touche de debug pour hot reload une map in-game. Non. J'y pensais à l'instant, là, ça m'aurait bien servi. Mais bon, il suffit de sortir et de revenir. Là, effectivement, le bug étant que le téléporteur était cassé, c'est vrai que ça nous embêtait. Après, on peut passer à travers les murs. Et prendre l'autre escalier. Et pour l'histoire de tomber en faisant l'animation, là, tiens, il reste un minuscule bout de bleu, là, vous avez vu ça? Tomber en faisant l'animation, finalement, je suis pas super pour, parce que c'est pas trop dans le style du jeu d'avoir des animations un peu fancy comme ça. Pas trop le style de Vincent. Ok, donc j'avais oublié de faire le...
Ouais, j'avais oublié de faire le bout de plafond là que je mets à chaque fois. Comme ça, couche 0, arrière-plan. Est-ce qu'on est obligé d'installer Solarus à côté pour jouer un jeu créé dessus? Ou est-ce que quand on compile, son jeu le nécessaire est inclus dedans? Pour jouer un jeu Solarus, il te faut solarusrun.exe. Alors, t'es pas obligé de l'installer au sens avec un programme d'installation Windows et tout. Par exemple, si tu télécharges. Il manque un séparateur ici. Personne n'avait vu. Si tu joues à Ocean's Heart, par exemple, qui est un jeu commercial fait avec Solarus, qui est sur Steam d'ailleurs, et ben. Tu télécharges pas Solarus spécialement, tu télécharges juste Ocean's Heart. Et il est fourni. Il te fournit à la fois. Le point exe de Solarus et les données de jeu. Mais si tu veux utiliser le. C'est pas normal qu'on puisse aller là. Voilà, y a un bug de taille 7 là. Si tu veux utiliser le launcher Solarus, tu peux, ça te permet d'avoir une sorte de librairie qui contient tous les jeux Solarus que tu aurais installés sur ton PC. Ok, c'est ça que tu voulais savoir. Parfait. D'ailleurs, j'ai un tuto sur ça. Je sais plus c'est le numéro combien, c'est un des premiers sur packager une quête. Et il y a. En fait, il y a une option maintenant, fichier, construire le package, qui te construit le data.solarus. Donc, c'est les données de jeu en un seul fichier, donc c'est une archive en fait. Et les joueurs, ils ont besoin de solarusrun.exe, donc du moteur pour lancer ton jeu. Mais comme le fait Ocean's Heart, tu peux très bien fournir les deux, fournir à la fois le .exe et tes données de jeu. Et dans Ocean's Heart, ils ont même renommé solarusrun.exe, ça s'appelle juste oceansheart.exe. Ah oui, alors, c'est embêtant ce bug de taille 7 là. Parce que, à mon avis, il doit affecter les autres jeux aussi. Et si on n'avait pas encore remarqué. Genre ça. Traversable quoi. Alors que ça devrait être un mur. Tac. Mur, 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 mur. Ok. Donc là, comment on fait un screenshot déjà? Parce qu'avant il y avait des raccourcis clavier pour faire des screenshots, maintenant il n'y a plus. Capture d'écran. Copier dans le presse-papier. En fait, je vais ouvrir une issue sur le dépôt Solarus ALTTP pack, le pack de ressources Solarus. C'est de là qu'est tiré ce gigantesque tile set. C'est quoi ça? Wrongly traversable door tile.
Voilà, comme ça, j'oublierai pas. Retour à OLB. Oui, voilà, j'ai fait une issue parce que non seulement je corrigerai dans le pack de ressources Link to the Past, mais il faudra aussi vérifier tous les projets. Tous les jeux qui utilisent ce pack. Ah, et en plus, maintenant que j'y pense, je l'ai corrigé, mais que dans un tileset, mais... le même tileset, il est copié-collé en une vingtaine d'exemplaires. Mais généralement, personne n'utilise les montants de style caverne avec des murs qui ont d'autres couleurs que les... Bah, que ceux qui servent pour les cavernes habituellement. Genre, dark brown, c'est la couleur standard des cavernes pour A Link to the Past. Mais bon, faudra quand même le corriger partout. Ok. J'avais toujours pas fini de tester mes deux maps. Donc ici c'est bon. Ah, c'est de l'eau peu profonde qui n'existe pas dans le jeu. Donc là, elle se réfère à un tile qui est buggé. Un petit peu d'eau qui doit s'afficher sous les pieds de Link normalement, mais dans ce jeu, ça n'existe pas. Donc ouais, il faut que je pense à rendre l'eau profonde. On peut courir. Tomber dans le trou. Ah non, c'est bon. Ça, c'est dès que je mets à débugger, ça crée des situations un peu bizarres. J'étais enfermé dans un mur en fait. Le Giga Tileset. Non, c'est FF Omega. Mais là, pour ce projet, là, j'ai repris, j'ai encore dupliqué plus parce que Vincent Jouya, il a ajouté ses propres couleurs pour certains donjons. Genre Dark Turquoise, ça c'est des couleurs custom de Vincent pour le donjon de Xanto. Après, c'est toujours le même fichier .dat et c'est toujours le même fichier PNG à des permutations de palettes près. Il y a plein de trucs inutiles qu'il faudrait que j'enlève quand même, ça n'a rien à faire dans un tileset. Mais bon, bref. Alors, il y a un bug dans debug.lua. Ligne 112. Si vous voulez voir un peu de code. Ça, c'est le script qui me permet de jouer en mode debug pour passer à travers les murs ou aller plus vite. Hero nil value. Ah! Je comprends pas comment c'est possible que Hero soit nil value. Au moment où j'appuie sur R,
Parce que game ne peut pas être nil. Ou alors j'ai appuyé sur R pile à la seule frame où game get map est nil. Mais bon, c'est un bug du nouveau moteur de la version de dev dans ce cas. On va pas trop s'inquiéter pour ça pour le moment. Et donc quand je tombe, j'arrive là. Alors ça serait bien de quand même conserver la direction de Link quand on tombe. Donc pour ça, faut dire à la destination, direction, conserver la même direction. Ah oui, on peut utiliser Zero Brain, qui est un éditeur Lua externe pour avoir vraiment un debugger. Tu peux voir l'état des variables en live, tu peux faire du pas à pas et tout. Ah, les items dans le playset, t'as trouvé une utilité? Ouais, pas faux. Indiquer ce que contiennent les coffres. Mais dans ce cas, il faut que tu modifies ton tileset. Parce que tous les items n'y sont pas, quoi. Il y en a beaucoup. Ah, mais d'ailleurs, ils ont des graphismes un peu custom, là, non? Ou ça vient de Minish Cap, tout ça, non? Bah non, pourtant. Oh, elle est belle cette clé. C'est style Minish Cap. Merci Skunkoff. Alors, je pense que cette caverne est finie. Ah non, il y a le problème de l'eau encore là. Ah, merci pour l'abonnement, Alex F30. Deuxième mois d'abonnement, merci, c'est super gentil. Ouais, l'histoire de l'eau. Alors, faut que je retrouve comment j'avais fait. Genre, à l'extérieur, il y a plein d'eau. Ah oui, mais c'est de l'eau profonde. À mon avis, faut que je regarde dans Zelda ROTH. Dont ce jeu est la suite, notamment dans le deuxième donjon. Il y a plein d'eau. Donc ça c'est un tile qui a pour type Water Shallow. Donc je pense que j'ai juste crânement modifié le tile set pour que Water Shallow ça soit quand même de l'eau profonde. Donc ça c'est dégueu. Et je veux pas faire ça dans OLB. Parce que si je m'amuse, imaginez, à modifier ce tileset pour dire que ce tile, finalement, c'est de l'eau profonde, juste parce que c'est le comportement dans ce jeu. Après, le jour où, justement, on corrige des bugs du tileset qui ont rien à voir, on va récupérer la nouvelle version du tileset corrigé, pour corriger, par exemple, ça. Et on va perdre notre petite modification qu'on avait faite. Juste pour ce projet. Donc on va faire des choses de façon un peu plus propre. On pourrait faire une entité dynamique, une entité custom. On pourrait faire une entité custom ayant ce sprite. Je réfléchis aux performances en même temps. Ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Bien plus simple.
J'ai pas le tileset custom là-dedans. Ouais, Barinade, c'est ça mon idée. C'est de faire un autre, d'avoir un autre tileset avec les choses que je modifie exprès. Avec les choses qui sont pas prévues par le grand tileset général. Peut-on changer les touches in-game par exemple, frapper avec le clic gauche? Oui, enfin c'est plus avec le clavier et la manette normalement, mais ouais. Ah mais j'ai raté des messages. Export de la map en PNG. Ah oui, pour faire la soluce, ouais, c'est pratique. Ah, Speedrun Breath of the Wild. Ça reprendra, Alex, un jour. Ah, faire un don, bah, pas de soucis. Ouais. T'inquiète, si t'as pas les moyens, il n'y a aucune obligation. Ok. Donc je suis étonné que pour l'instant. Ah, c'est vrai qu'on a des trucs. On a une Light World qui est spécifique à ce jeu. Donc pour l'instant, toutes les choses un peu spéciales, je les ai ajoutées dans Light World. Par exemple, tout ça. Ça, c'est que dans OLB, c'est des graphismes custom. Et j'ai pas encore eu le besoin de le faire dans les donjons, dans les tilesets d'intérieur. Donc, où est-ce que je l'ai, où est-ce que je l'ajoute mon nouveau tiler? Je vais quand même pas le mettre dans Light World. Ouais, bah c'est un peu ça qu'on peut faire, Barinade. Ah, pour éviter de dupliquer. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de duplication, vu le nombre de tilesets de donjons. Je te fais pas dire. Bon, bah on va créer un nouveau tileset. Par exemple, dans Link to the Dream, on a fait ça. Ok, si tu veux. Dans A Link to the Dream. Ah, on a un dossier addition. Avec tout ce qui est custom à ce projet, qui n'est pas dans A Link to the Past. Un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Trop beau, d'ailleurs. Donc on va faire pareil, on va faire un dossier addition. Allez hop. Nouveau dossier. Addition. Et donc en théorie dans addition on devrait mettre cela, ça serait bien. Et bon, une chose après l'autre, on va faire addition slash. Bah, je vais reprendre les mêmes noms que dans Link to the Dream. Hein. Tant qu'à faire. Donjon. Ça devrait s'appeler extra au lieu de addition, non? Ok. Tant que j'y pense. Juste pour garder Link to the Dream en 1.6. Donc voilà, tileset machin. Donc ouvrir data tileset donjon dark brown, mais je pense que c'est le même pour tous. L'eau c'est la même
C'est exactement les mêmes tailles pour toutes les variantes. Hop, donc copier. Et donc je vais faire un tile set qui contient juste ça pour le moment. On verra si plus tard on a besoin d'autre chose. Addition dungeon.tiles.png. Et donc créer un tile, nouveau motif de type cette fois-ci eau profonde. Et il est animé avec 3 frames. Le délai probablement 250. Ah toi aussi tu préfères appeler extra, ouais. J'avoue, je suis d'accord en fait. Ah ouais, c'est super gentil Alex. C'est vrai que je fais des trucs très variés. Enfin, j'ai plusieurs passions si tu veux. Et j'aime bien streamer du coup des trucs différents. Des fois du speedrun, des fois de la création de jeu ou des fois des échecs. Mais c'est vrai que les tiles d'eau par exemple, bah oui, ils sont dupliqués dans les 18 000 tile sets de donjons. Donc maintenant qu'il existe cette feature d'avoir plusieurs, la possibilité d'utiliser plusieurs tile sets dans la même map, on a moins besoin de, on devrait plus avoir besoin de dupliquer comme ça. Genre les, enfin il y a plein de choses hein, et les torches là c'est aussi toujours les mêmes, ces trucs là, enfin. Tout ça aussi, quoique ça je suis pas sûr, mais bon bref, qu'est-ce que je voulais vérifier, oui le délai c'est donc 250, ok. Donc maintenant toutes les maps de ce jeu qui utilisaient les tiles standards d'eau peu profonde, modifier le motif des tiles similaires. Et donc, ah, c'est vrai qu'on peut pas encore changer de tile set là. Il faut le faire un par un. Alors, il met un point d'exclamation, donc il doit avoir un souci. Je sais pas trop pourquoi il n'arrive pas à l'afficher là. Parce que mon tile set là, il est valide. Peut-être recharger la map, j'ai pas. Ok, cette fois-ci ça marche. Donc le problème, c'est qu'il faut le faire pour tous. Donc on va juste refaire les tiles. Normalement, ouais, il y a une fonction, on fait un clic droit, modifier le motif des tiles similaires et ça les remplace tous. Mais quand ça marche pas quand on veut que ça vienne d'un autre tile set. C'est une petite limitation, un petit bug, je dirais. Je sais que les issues sur GitLab existent déjà. Ok. Alors maintenant, s'il y avait d'autres maps ayant de l'eau, il faut aussi les corriger de la même façon. Je sais qu'il y en a au moins deux, et il y avait les deux fontaines des fées. Oasis et forêt. Donc, modifier le motif. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui, j'ai fait double clic ici. Autre tile set, voilà. Addition, dungeon, addition. Ah oui, donc là j'ai changé de tile set, mais après j'ai oublié de choisir le motif dans le nouveau tile set. Évidemment, il n'a pas le même nom dans le nouveau tile set. C'est juste moi qui ai bugué.
Ok. Ah, les bordures aussi, elles doivent avoir le même traitement. Complètement oublié. Les torches dans ce projet, c'est toutes des custom entities parce qu'en fait, elles peuvent toutes être éteintes. Elles sont pas décoratives, elles peuvent être éteintes avec la baguette de glace. Oui, alors les bordures, très bonne remarque. Les bordures, alors j'ai trop de choses ouvertes là. Pas besoin de ça. Ouais, tout ça c'est aussi de l'eau peu profonde. Ok. Bon. On va rouvrir Dark Brown. On va rouvrir Addition. D'ailleurs, je peux en profiter pour corriger les couleurs là. What? Sleezer.io. C'est vrai que j'avais fait des streams sur ce jeu. Attendez, là je comprends plus rien. Ils sont juste faux ces motifs, non? S'il ressemble à ça dans le vrai. En plus, là, il y a un pixel. Genre là, ça devrait être comme ça. Je pensais que c'était juste les couleurs qui allaient pas, mais il y a aussi ce minuscule détail qui va pas. Alors évidemment, c'est pas exactement les mêmes couleurs. Donc toute cette couleur-là, je la remplace par celle-ci. Et ça, je la remplace par celle-là.
Et ça. Ok. Et donc, le dernier, c'est ce bout-là. Voilà. Alors du coup, pour les autotiles, bah, il va falloir configurer les autotiles dans le nouveau tileset, puis c'est tout. Générateur de contours. Il faut ouvrir le tileset. Bon, déjà, vous avez raison. Moi aussi, j'ai envie de d'appeler le dossier extra. Contour. Alors, déjà. Déjà, on va les créer tous. Ah, déjà, il faut déplacer celui-là ici. Nouveau motif. Je pense qu'on va déjà les créer en tant que traversables. Ça ira plus vite. Et ensuite, eau profonde. Ensuite, pour pas se planter, on va regarder comment c'est fait dans l'autre. Shallow water. Positionnement à l'extérieur de la sélection. Alors, si j'avais été malin, je les aurais créés dans le bon ordre pour que quand je fais ça, ils se mettent bien. Mais du coup, c'est pas dans le bon ordre. Donc, tant pis, je vais le faire un par un. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Voilà. Bon, ensuite, il va falloir supprimer. Tout cela. Hop. Et ensuite, générer le contour à partir de Dungeon Addition, Deep Water. Ouais, je pense qu'il faut que je recharge le tileset, enfin la map, parce qu'il a pas dû réussir à détecter que le tileset avait changé. Bien sûr. Deepwater n'existe plus. Ah non, c'est parce que c'est dans Extra. Comme j'ai renommé le dossier,
La map a pas réussi à détecter le changement. Mais c'est bizarre, pourquoi il affiche quand même des trucs alors s'il trouve pas le tile? Voilà. Générateur de contours. Extra dungeon addition généré. Ça marche toujours pas. Quelle est la durée de vie de Mystery of Solaris DX? Une quinzaine d'heures. Alors, Dungeon Edition. Ah, c'est un bug, non? Il me semble que c'est un bug de l'éditeur. Donc en fait ça marche juste pas de faire des générations de contours dans un tileset autre que celui de la map. Ça me rappelle quelque chose. Phoenix. Quoi, un crash carrément? Bon, si c'est un crash, on va quand même le corriger avant Solaris 1.7. Mais moi, c'est pas ça que je cherche. Bon, bah, peut-être qu'elle n'existe pas, mon issue. Hein. Si on essayait de le corriger, quand même, le problème. Solaris Quest Editor. Vais quand même revérifier encore que c'est pas moi qui me plante. Générateur de contour, je choisis un tileset. Pourquoi il me propose addition là? Ça n'existe plus. Déjà, il faut rouvrir les maps, mais celle-ci j'avais déjà rouverte. Dungeon extra. Contour, il n'y en a qu'un. Deepwater, générer. Il veut pas. Le bug, c'est que générer des tiles autour d'un. Générer les contours, là, les autotiles ne fonctionnent pas quand. Quand ça vient d'un autre tileset que le tileset de la map. Certains motifs du contour sont manquants. Alors, ça, où est-ce que c'est?
Border, Autotiler. J'ai l'impression que ça, c'est... Les erreurs sont détectées avant, à mon avis. Faut une référence. C'est cette erreur-là qu'on a eue? Oui. Donc c'est tileset border set pattern exists. Vous voyez, il vérifie que le tileset de la map. Alors que non, il devrait prendre celui-ci. Tileset ID là, il n'est même pas utilisé ce truc. Ah si, il l'utilisait là. Donc faut juste que je générique border requesting. Ok. Que je me souvienne comment on fait pour récupérer un tileset donné. Tileset ressource, un truc comme ça, ressources. Non. Ouais, je sais plus comment on fait. On va regarder ce que fait MapView. Dans MapView, il doit y avoir des exemples de ça. Ah, c'est juste get map guest, get quest get tileset ID. Ok, faut utiliser ce petit truc-là. Map get quest get tileset ID et c'est juste que si tileset ID is empty, alors merde, alors tileset ID égale celui de la map. Voilà. Je vais compiler en console parce que je vais être sûr d'utiliser un seul processus. Et puis on va tester si ça marche. Et si ça marche, on va commiter. Ah, il y a des warnings. Ah, c'est des trucs deprecated dans Qt. Ok. Qsort is deprecated. Il y en a plein. Bon. On
s'occupera de ça un de ces jours. Donc, on va fermer l'éditeur. On va le rouvrir. Et donc dans la map qui nous intéressait, Desert Cave B1, on sélectionne les tiles d'eau, générateur de contour, extra, dungeon extra, deep water, générer les tiles, ça fonctionne. Cool. Alors, pour être sûr que ça fonctionne vraiment, on va aussi le faire. Faire un petit test avec le tileset de la map. Ça fonctionne toujours. C'est bon. Problème réglé. Et donc comme j'ai fait avec des tiles et pas avec des custom entities ou quoi que ce soit, ben, ça va pas du tout impacter les performances. Ah, les piqueurs, ils nous ramènent à l'entrée de la salle. Enfin, ils nous ramènent au dernier endroit safe. Ils considèrent pas l'eau profonde comme un endroit safe. Oui, bah ça, c'est une drôle de bizarrerie quand même. Je sais même pas si c'est dans le moteur ou dans la quête qu'il faudra corriger ça. Donc je vais créer une issue pour y penser plus tard. Ouais, les piquants built-in, ils sont super nuls, hein. Merci Alex. Alors, on va mettre à jour le changelog. C'est pas le bon dossier. Fix contour generation from tilesets other than the map. Tileset, ça dépasse 80 caractères. From other tilesets. Ah d'accord, je voulais faire un copier-coller. Fix generating contours from voilà. Oups, j'avais pas la dernière version. Ah oui. J'avais accepté une pull request entre-temps. Ok, très bien. Donc ça c'est corrigé. Maintenant, on a dit qu'il fallait créer une nouvelle issue dans OLB. À mon avis, c'est la seule map qui mélange des piquants et de l'eau. Ah non, il y en a aussi dans. Et aussi dans un donjon, je crois. Parce que si c'est vraiment la seule, au pire, une solution, c'est de pas s'embêter et de modifier simplement, de pas faire ça, modifier cette map pour faire autre chose. Mais il me semble qu'il y a un donjon.
Et attendez, là je m'étais amusé. Ah, j'avais... D'accord. On dirait que j'avais choisi une autre solution pour les eaux profondes ici. Alors, est-ce qu'il y avait des piquants? Pas de piquants. En fait, voilà, je me souvenais plus, mais j'avais été confronté au même problème qu'aujourd'hui, ça, qui était de l'eau peu profonde, mais dans le projet, on a envie que ce soit de l'eau profonde. Et donc, dans ce donjon-là, j'avais choisi une autre solution. C'est que je mets de l'eau peu profonde. Attendez, et pourquoi la couleur, elle est correcte là? C'est ouf. Ah, donc il n'y a que dans Dark Brown que la couleur était fausse. Ok. Et j'avais mis donc des tiles invisibles au-dessus. Des tiles d'eau profonde, mais juste invisibles. Mais ils font quand même leur effet. Mais je pense qu'à l'époque, générer des contours, ça n'existait juste pas. Enfin, je sais pas, peut-être que si. Ou alors, ouais, je veux dire, non, utiliser des tiles d'un autre tileset, ça, c'était pas possible. Donc, ok. Bah, on peut laisser comme ça ce donjon, on va pas tout refaire. Pour les perfs, y a pas de souci de faire ça. C'était aussi une bonne solution. Un peu plus crade, ouais. Donc, Desert Cave B1. Built-in ones are terrible anyway. Ça, je sais pas trop, faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est vraiment un bug? Voilà, ça j'oublierai pas. Parce que le risque c'est que si je note pas ça, j'oublie vu que le jour où on testera le jeu, c'est même pas sûr que le testeur se fasse toucher par les piquants depuis l'eau. Donc voilà. Alors moi j'ai pas de custom entity qui le fait, mais je serais pas surpris que quelqu'un l'ait déjà fait dans d'autres projets. Alors, je vais pas vraiment modifier le comportement du spike built-in, mais juste du spike built-in quand on est dans l'eau profonde. Mais
Mais je te dis qu'il faut que j'y réfléchisse un peu pour être sûr que c'est vraiment un bug et qu'il n'y a aucun cas où on a besoin du comportement actuel qui est de revenir sur la terre ferme. Sauf tant que tu as la compétence de nage, il n'y a pas de souci à revenir dans l'eau normalement. Mais bon, j'aimerais bien trouver une solution qui évite de modifier le moteur. L'idéal, ouais, ce serait d'avoir des custom spikes. Donc, faut que je regarde s'il y a, faut que je trouve s'il y a des projets qui en ont. Ça doit pas être si dur à coder en fait, les spikes custom. Juste une custom entity avec un timer. Tant que t'es dessus, bim, tu te fais blesser quoi. Parce que le moteur, il considère que c'est interdit de les toucher. Donc dès que t'es dessus, t'es rejeté en fait. T'es remis là où t'étais. Je pense. Dans le OLB de Vincent, c'est clairement tant que t'es dessus, bah tu te fais blesser quoi. Et tu peux rester dessus aussi longtemps que tu veux et tu te fais blesser encore plus. Ah, Elyon, tu découvres Zelda Mystery of Solaris DX. Il y a un petit. Tu veux que je te donne la solution? J'avoue que c'est un peu tordu. C'est la première énigme du jeu. Map. Ah oui, c'est vrai que les maps, c'était juste des numéros à l'époque. C'est B3. Non, c'est pas 3. Regarde bien là, il y a un petit indice là, il y a des petites feuilles qui montrent un chemin. Tu veux tester un jeu Zelda Solarus? Celui-là, c'est bah vrai que c'est notre premier jeu, Zelda Mystery of Solaris DX. C'est vrai qu'il y a des énigmes un peu tordues et des casse-têtes un peu prises de tête avec des blocs à pousser et tout. Si tu veux un jeu plus facile, ben tu peux jouer à Zelda Return of the Hylian, justement, qui est le prédécesseur de celui sur lequel je bosse là ce soir. Les maps sont plus simples. Moi, je les trouve parfois vides, mais. Le jeu est plus facile, en tout cas plus simple, plus accessible, ça c'est clair. Ou si tu veux juste rigoler, Zelda Mystery of Solaris XD. Mais c'est, tu te fais troller à certains moments et il y a des passages prises de tête comme le bureau des objets trouvés par exemple. Et dans Children of Solaris, qui est le remake libre sans graphisme Zelda de Zelda Mystery of Solaris DX. Ben justement, on a amélioré cette énigme qui était bizarre. Je peux vous montrer, hein. Children of Solaris. Alors déjà, c'est beau. Les graphismes sont de max et la map est de max aussi. Et du coup, il n'y a plus l'énigme de sauter en diagonale. On saute juste normalement depuis là, quoi.
bien plus naturel. Trop beau quand même. Je pense que beaucoup n'avaient peut-être pas encore vu tout ça. Et toutes les maps d'extérieur sont faites dans ce style. Ouais, il est trop fort, Max. Max, donc le créateur de Ocean's Heart. Donc il utilise Solarus pour faire un jeu commercial, mais enfin, c'est-à-dire qu'on n'en tire aucun bénéfice directement, hein. Les sous, ils sont pour lui et pour son éditeur. Surtout pour son éditeur, d'ailleurs. Bref. Mais il contribue énormément à la communauté et au tileset libre et à ce projet libre aussi. Donc c'est génial. Alors ça, c'est les montagnes, les nouvelles montagnes. Le temple du cristal. Franchement, après Zelda OLB SE, on finit Children of Solarus. Qu'est-ce que vous en dites? Le château. Alors le château, vous le connaissez si vous avez suivi les tutos, parce que je me suis servi de cette map énormément pour expliquer les layers et d'autres trucs. Celle-là, on vient de la voir, c'est le village du début. Ça, c'est toute la partie sud. Donc là, ça, c'est le premier donjon du jeu. Voilà, la partie est des montagnes. Ça donne envie, franchement. Ça, c'est la map au sud de ce qu'on vient de voir. Et ça, c'est le dédale d'Inferno. Donc, ça a bien changé, hein. On reconnaît pas trop quand même. C'est une adaptation très libre et très réussie, je trouve, des maps de Zelda Solarus DX. Là, c'est l'est du village de début. Avec toute cette grande forêt là. Il y a un fragment de cœur là. C'est quoi cette maison? Ah, c'est la pâtisserie. Non. Il y a des choses qui ont vraiment bien changé. Et là, il y avait déjà ça, sûrement. Et enfin, la map la plus au sud-est, qui ressemble à ça. Donc je pense que ça va être cool. Children of Solarus, il s'appelle ce projet. Ouais. C'est le remake libre de notre premier jeu. Sans aucune référence à Zelda. Mais c'est pareil, et c'est un projet qui n'est pas fini. Des vrais mini-boss sur les derniers donjons, ouais, ce serait cool. Donc voilà pour la petite parenthèse sur Children of Solarus. Mais le jeu qui est le plus proche d'être fini, c'est Zelda A Link Begins. Ensuite, on s'occupera de Children of Solarus. Ah, j'ai oublié d'ajouter Tileset Extra. Mystery of Solarus XD, d'accord. Très bon choix. Prévois un papier et un crayon pour le bureau des objets trouvés. Le bureau des objets trouvés, c'est un. Bon, je vais pas te spoiler, hein, mais c'est un donjon qui parodie un petit peu
le troisième jeu de Vincent. Donc le premier jeu de Vincent, c'est Zelda Return of the Hylian. Le deuxième, c'est Zelda Unhealing Begins. C'est celui-là sur lequel on bosse ce soir. Et le troisième, c'est Zelda 3T. Zelda Time to Triumph. Ok. Bah, je crois qu'on a fini toutes les cavernes du jeu. Enfin, au moins, on a créé les maps. On a créé cette issue, très bien. Caves, hop, tout fini. Double référence en fait 3T et un célèbre G. Un célèbre dessin animé. Ok, donc après, il reste encore les maisons. Donc au niveau des maisons, on a fait la maison de l'encyclopédie des monstres, la maison de Pete et toutes les maisons du village Ruto. Mais donc il y en a encore pas mal d'autres à faire. Alors c'est pareil, il faut regarder là-dedans les numéros des maps. 45 par exemple, c'est la maison du mec des monstres. Quatre Pete House. Ensuite toutes les maisons de Ruto de 46 à 52, ok. Et après ben c'est un peu chiant de savoir qu'est-ce qui va dans quel village. Il y a probablement les maisons du village de Roru. Il y a encore trois autres villages en fait. Il y a le village de Roru, le village de Kazuto. Et le village de. Comment il s'appelle le dernier déjà? Celui-là. Donc au niveau maison, celle-ci est faite. C'est la maison de Pete. Celle-ci est faite. C'est la maison des monstres. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le village de Roru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, dans le village. Pardon, ça c'est le village de Ruto. Après, dans le village de Roru, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça, c'est le village de Kazuto, je crois. Et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Coder un RPG FPS. Littéralement first person. The La Rue, c'est plutôt fait pour des jeux en vue du dessus. Ou à la rigueur, en vue de côté, un jeu de plateforme, c'est faisable aussi. Mais un FPS. Oui, tu peux faire avec des shaders. Tu peux faire des effets de perspective avec des shaders.
Exactement, Link dort à côté du lit et c'est fait exprès. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était un bug. Ah, le sprite de Link, il est pas bien aligné. J'avoue que j'avais fait un peu exprès pour faire croire que c'était un bug et que les gens aient un doute. Et donc, dans le dernier village dont j'ai oublié le nom, il y a 1, 2, 3, 4 maisons. C'est le village Kokiri là. Enfin, la musique. Ce village a la musique du village Kokiri, voilà, de la forêt Kokiri. Et donc, ça doit être marqué quelque part. Kazuto, c'est A4. Ah oui, c'est le village de Mido. Bah oui, Kokiri. Évidemment. Voilà, donc. Après, est-ce qu'elles sont classées dans l'ordre? Peut-être, parce que toutes celles-ci, elles étaient de 46 à 52, celles de Ruto. Mais bah, on va vérifier. Peut-être garder ça sous la main. Quoique, non, j'ai déjà dans l'éditeur toutes ces maps. Ah, bah, ok, bah, tu vas te marrer alors. Bien. Donc là, je vais tester sur l'ordi que vous ne voyez pas. Et ben les maps des maisons pour voir lesquelles sont lesquelles, pour être sûr. Donc dans le village de Roru, on a. Puis je vais mettre le casque pour avoir la musique. Le village de Roru, c'est celui-là. Donc cette maison-là, c'est une maison totalement vide. Ouais, c'est la musique du pour clocher. À l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Et donc on a été à la maison combien déjà? 52. Donc la 53, c'est sûrement la taverne de Roru. Et celle dans laquelle je viens d'entrer, ça a l'air d'être la 58. J'ai dit qu'il y en avait combien? 8? C'est presque les mêmes 54-58, elles se ressemblent. Après, je sais pas si elle était vraiment vide pendant tout le jeu, cette maison. C'est celle-là, quoi. Il y a le joueur de flûte qui est assis à côté là. On n'a pas encore mis les PNJ. Ah, mais la map a un peu changé elle aussi. Ah zut, c'est plus comme ça. Figurez-vous que maintenant c'est comme ça. Le banc est là. Ah. Et l'arbre est là. Ah là, Vincent. Donc là, c'est la boutique qui vend
des cœurs et de la magie. Et normalement, il y a un petit truc là-haut, une petite enseigne, mais je ne devrais pas les avoir dans ce tileset. Par contre, elles sont dans le grand. Enfin, je pense. C'est un truc comme ça, mais avec un logo de cœur. Un dessin de cœur. C'est peut-être un truc custom alors. Ah mais celui-là il n'existe même pas dans le tileset. Bon, on va vite fait au moins créer celui-là. Attendez, celui-là il existe. Et donc dans un premier temps, on va prendre celui-là. Donc ça c'est la boutique. Ah et l'autre c'est la boutique de flèches et de bombes. Casse-toi. Donc celle-ci ça pourrait être la 60 ou la 59 vu que c'est les mêmes. On a qu'à l'appeler Flute Guy House. L'autre. En fait, c'est la maison de Flute Boy. Voilà. Et je vais en profiter pour noter les musiques, peut-être. Cette fois-ci. C'est la musique d'une maison de Ocarina of Time. Peut-être bien House. Ouais. Donc 59. C'est le magasin de bombes et de flèches. Donc ouais, Weapon Shop, c'est un bon nom ça. Donc c'est ça, ici. Et la musique, c'est pas la même. C'est chop, je pense. Ouais, et Potion Shop, c'est différent encore.
Ah, ok. Et 60, c'est potion shop. Non. Je me suis trompé. Weapon shop, c'est... Weapon shop, c'est... C'est le... C'est pas celle-là. Celle-là, si on se réfère aux noms qui ont été utilisés pour l'autre village, c'est Useless Shop. C'est un magasin qui vend juste des cœurs et de la magie. Et alors la musique du Weapon Shop. C'est Shop aussi. Ah oui, les téléporteurs en panne. Tu verras, c'est que des trucs comme ça. Bon, ok, ensuite. Ouais, en fait, on va trouver un meilleur nom que Useless Shop, je suis tout à fait d'accord. Alors ensuite, on a une autre maison qui a l'air vide, c'est celle-ci. Et c'est... Il y a un lit, donc c'est la 58. Non. Elles se ressemblent tellement toutes, je vais devenir fou. La 57. 57, ok. Après, je sais pas, il y a peut-être un personnage là. Il y a une vieille qui balaye dehors. Ça me permet de donner un nom à la maison en tout cas. Comment elle s'appelle cette vieille? Broom Grandma. Ouais, il y a elle qui habite là en fait. C'est la maison de elle. Donc on va appeler ça Broom. Broom Gemma, Grandma House. Et la musique. House. Donc c'est la troisième en partant de la gauche dans la ligne du centre. Ensuite. On a encore une maison avec une dame. Et la map, il y a... c'est la 58. Non, on a déjà fait la 58, c'est la 54. Je joue au jeu de cette différence là. 54. Et donc ce PNJ là, elle s'appelle... C'est juste une... Ouais, Lady Blue. Non. C'est pas elle. Ça, c'est... Elle est moins vieille. C'est elle, en fait. Woman Blue. Il y a Woman et Lady.
Ok. Donc on va l'appeler comme ça. Bon, ensuite c'est facile, il y a la taverne. Donc elle, on peut pas la rater, c'est la grande map, c'est la 53. Et la musique de cette maison. Ah, c'est la musique des mini-jeux. Game. Ah non, c'est pas le même. Parce que ça, c'est les mini-jeux de la... c'est la musique des mini-jeux de Zelda 3. Mais là, celle que j'entends, c'est la musique des mini-jeux de Ocarina of Time. Oui, c'est celle-ci. Donc c'est Bar. Ok, 53 à 54. Donc après, il reste plus que les deux maisons plus au nord. Donc il y a la maison du maire. Puis celle-ci, je sais plus ce que c'est. La maison du maire, bah c'est la musique du maire. Forcément. Pourquoi c'est rose là? C'est affreux. Y a un bug dans Style 7. Alors, c'est la map numéro 55. C'est la musique du maire dans Majora's Mask. Tint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 
Ok, on va mettre cette musique. Donc pour ce village, c'est à peu près bon, on a résolu le puzzle. Plus j'avance, plus les maps sont vides. On va regarder les deux autres villages maintenant. On va aller voir le village de Kazuto d'abord. Champ de l'envol numéro 7. Donc là, il y a 5 maisons. Oui, laisse-moi me transformer en Winnie Link. Ça rame. Je vais fermer quelques trucs sur ce PC-là. Ah oui, on voulait aussi renommer les deux useless shops là d'abord. On peut appeler ça un refill shop. C'est pour des refills, mais pas de bombes et de flèches, mais de cœur et de magie. Pas d'objection, on peut renommer ça en refill shop, ça vous va? Voilà, Refill Shop. Donc celui qui existe déjà, je vais le renommer. Ça manque de hauteur et de licence, tout ça. Donc bref, Refill Shop, c'est bon. Et on va le renommer là aussi. Alors normalement, le téléporteur s'est mis à jour. Il a dû suivre le changement. Je sais plus si c'est celui-là. Refill Shop, ouais, c'est bon. Alors, on va regarder le village de Kazuto. Donc, je suis en train de me promener là sur l'autre ordi dans ce village. Ah oui, Skunkov. Donc, Refill Shop, ben, c'est une map toute vide avec juste un comptoir et deux torches. Donc, c'est pas celle-là, c'est plus comme celle-là, 65. Il n'y a même pas de tapis. Il y a deux fenêtres. Donc c'est la 65. Refill shop. Et alors, donc, je note aussi où est-ce qu'elles sont situées. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à 5. Cinquième en partant de la gauche, c'est un refill shop. Voilà. Ensuite. Toi. Un PNJ qui me laisse pas passer. Ok, donc là c'est une maison toute vide, la quatrième, avec une table et deux torches. Genre 63. Donc la 63. Comment décrire le PNJ? C'est une
C'est une espèce d'oiseau. 63, j'ai dit. Avec la musique des maisons de Ocarina of Time. Bird Green. Ouais, c'est lui. Ok, next. Ça, c'est la maison du maire. Donc celle-ci, c'est celle de l'oiseau. Ça, c'est un refill shop. D'ailleurs, il y avait un... Et donc celle-ci, c'est la maison du maire. Ah oui, il y avait aussi une enseigne là. Genre là, avec un cœur dessus. Donc la maison du maire, avec à nouveau la musique du maire. Elle a une table avec deux tabourets et deux torches, donc c'est celle-là. 62. Kazuto, Leader House. Ah, la grotte du vrai héros. Mais tu peux pas y aller encore, je crois, si. Le troll qui a perdu la clé du château. Ah, tu as fait un stream de Zelda Mystery of Solaris XD, trop bien. Mais attends, faut que je te follow. Hop. Comme ça, je pourrais te dépanner et c'était bloqué. Alors, je vais continuer ma petite visite du village de Kazuto pour l'instant. Donc la deuxième maison, c'est à 64. Dedans, il y a un PNJ. Que je vais essayer de vous retrouver. C'est celui-là. C'est quoi, c'est un renard, un chien?
Je suis perdu. Bird Green. Peut-être que j'ai oublié de le faire, ce PNJ, j'en sais rien. 20h30 demain soir. Ouais, je serai là, je pense. Ah, Mouse Purple. C'est une souris? Quelqu'un savait que c'était une souris? Ah, c'est plus plus. Merci Skunk. Skunk Off, pardon. J'ai envie de finir l'inventaire des maisons là. Et puis après on arrêtera le stream, mais au moins comme ça sera fait. Vu que c'est le plus chiant, après on sera tranquille. Et pour le prochain stream, on pourra faire les maps. Ah, et donc là c'est l'espèce d'éléphant vert là, dans la première maison. Il y a un seul tabouret, c'est celle-ci. 66. Ah, et donc la 61, j'ai pas utilisé. On sait pas encore ce que c'est. 66. Kazuto. Maison de l'éléphant. La 61, c'est une toute petite maison. Peut-être qu'elle n'est pas dans un village ou peut-être que je l'ai oublié quelque part. Ok, toujours est-il qu'on va voir le village de Mido maintenant. Donc là, il y a quatre maisons. Village de Mido. De Mido, ouais. Donc 1, 2, 3, 4. Là, je visite celle-ci, c'est une boutique de potions. C'est à 70. Donc c'est la troisième, partant de la gauche, musique potion shop. Potion shop, voilà. La quatrième, c'est un refill shop. Sauf que là, il y a aussi les bombes et les flèches. Qui est un peu plus intéressant, il est moins useless. C'est le 69. Mido. Refill. Shop. On pourrait l'appeler shop tout court, mais bon. Allez, shop. Ah, c'est la maison de la sorcière qu'on a oubliée. Ah.
Exact. Alors, la deuxième maison, c'est encore la maison du maire, la maison du chef, comme vous voulez, c'est la 68. Middle Leader House. Donc c'est la deuxième. Donc pour aller à la première, il faut faire un petit détour. Ok, c'est une maison qu'un vieux. C'est celui qui nous apprend à utiliser le masque des esprits, je crois. C'est à 67. Ok, et en tout cas 60, 61. C'est encore la musique. Potion Shop. En 61 d'ailleurs. Ouais, c'est celle-ci. Witch House. Witch Hut. La hutte de la sorcière. Ok, donc oh, ça va jusqu'à 70. Ah, il existe une maison 71 qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser jusqu'à présent. Donc 71, on ne sait pas encore ce que c'est. Apparemment, on en a oublié une autre. Elle ressemble pas mal à la 68. Et à la 58 aussi. Et à la 57 aussi. Alors, ben on va regarder là-dedans. Puis après, on s'arrêtera là, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres maisons qu'on aurait oubliées? Enfin, une. On avait bien 4 ici. 5 là. La maison de la sorcière. La maison de Pete, la maison des monstres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 ici et 8 là. Il n'y avait pas de maison. Ah, il y a une maison dans le désert. Ah ah. On va vérifier. Non, passer. Non, faut pas que je passe par là. Faut que je passe par le village de Ruto.
C'est une maison avec un vieux encore, avec le sprite de Sahasrara là. Donc je pense que c'est bien celle-ci. Ouais, 71. Ça colle. Et donc la musique, c'est House. Prochain stream, on va faire toutes ces maps. Et je pense que pour aller plus vite, je pourrais toutes les fusionner en une seule grande map, provisoirement. Et après, je les séparerai. Ça gagnera sûrement du temps par rapport à quand je prends tous les modèles et tout. Mais bon, voilà. Peut-être faire un petit raid. Tiens, Mister Panda, il est sympa et puis il nous soutient souvent. Hop. Eh ben, merci à toutes et à tous. On a bien avancé encore ce soir. Prochaine fois, on finira les maisons. Merci encore, c'était Christopho et c'est tout pour le moment.